Kidnapper le père Oreille. Je vais m'en occuper. On tire au sort. Jack veut qu'on le fasse tous ensemble. Qui se ressemble? Ça semble toujours pour les mauvais tours. La 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 la. Mettre un bout de gruyère à l'intérieur d'une souricière. Il viendra le renifler, mais on sera là pour la fermer. Non, moi j'ai un meilleur plan pour attraper ce vieux sacripant. Faut le faire bouillir dans une marmite et le manger avec des termites. Qui la belle perce oreille, le jeter dans un trou et lui chatouiller l'orteil pour le rendre fou. Si monsieur Oogie Boogie a faim, suffira de lui envoyer. Pourra le faire cuire à point. Avant de le dévorer, oui. Moi je dis qu'il faut mettre un canon juste devant sa porte d'entrée et on le fera exploser comme ça. On sera sur son compte bon. C'est complètement débile. Si on le transforme en chair rabattée, ce sera plus qu'un fossile et Jack nous fera la tête au carré. Qui l'appelle perce oreille et l'emmener en mer. Dans l'océan, pour qu'il touche plus terre. Parce que monsieur Oogie Boogie est le prince des cauchemars. Si j'étais sur sa liste noire, je m'en irais d'un pas. Il faut vraiment qu'on réussisse. Il nous donnera peut-être des saucisses. Peut-être même qu'il nous donnera un pot de gelée de crapaud. On est à son service et on en est vraiment fiers. On fait tout pour qu'il nous aime, pas qu'il nous jette la pierre. Mais quel boulet, ces deux crétins! C'est pas moi le boulet! Parle pour toi! Tais-toi! Toi-même! J'ai trouvé, écoutez-moi, c'est vraiment génial pour une fois. On va lui envoyer ce cadeau accompagné d'un petit mot. Mais ce sera comme le cheval de Troie. Et quand sa curiosité le poussera à ouvrir la boîte, on sautera sur lui, un, deux, trois! Qui l'appelle perce oreille pour l'écrabouiller? Le verser dans une bouteille avant de la fermer. Kidnapper perce oreille, lui couper la tête. Oogie Boogie nous surveille, faut pas qu'il rose tête. Kidnapper perce oreille et l'emprisonner. Le recouvrir de gros ailes et jeter la clé.